Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors désolée hein, pour la luminosité qui est un peu pourriche hein, parce qu'elle ne fait pas très très beau ici hein. Et désolée si je suis un peu fatiguée, mais j'ai super mal au bide. On aime, on adore. Alors j'ai reçu un colis de la part de Lady Blog, j'allais dire Lady Bug, Lady Blog. On est peut-être parti sur une histoire de boxe, hein, je ne sais pas trop. Mais je lui avais fait un colis. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait avec elle où je lui ai envoyé des petites photos de mecs plutôt sexy. Et du coup, la coquine, elle m'a renvoyé un colis. Donc du coup, il est juste là, ça fait plus d'une semaine qu'il attend dans ma voiture. Mais il fallait bien que je me pose tranquillou bilou. Donc on va ouvrir ça tout de suite. C'est parti, let's go. La meuf qui est mise de ouf, ça la nasse du 7-7 hein. Alors déjà, elle m'a remis comme d'habitude hein, des petits trucs du West France. On aime, on adore. Prêt pour la... pour le découpage. Prêt pour le découpage. Qu'est-ce qu'elle m'a foutu? Elle écrit tellement bien. Depuis pas mal de mois, maintenant, partir en voyage est compliqué. Dans cette boîte, pas besoin de billets, de passeport ou de sanitaire. De passe sanitaire pour voyager. Allez, viens, je t'emmène faire le tour du monde, Lady. J'aime trop comment elle écrit, je trouve ça trop joli, j'aime trop. Ok. Ah, prêt pour le décollage. Oh là là, je sais pas lire. Prêt pour le décollage. C'est mieux que le découpage. Elle a fait ça bien, hein. Moi, je sais pas faire ça. Faire un devant, un derrière. Je sais pas faire. Alors, multi-usage. Elle m'a mis des petits machins. Amsterdam. Oh, alors, par contre, moi, je suis nulle à yèche en géographie. J'ai envie de te dire. Ah, je, niveau indice, je vais être nulle à yèche. Hein. Multi-usage. Et puis, il y a des trucs chelous. Il y a plein de trucs intérieurs. On dirait des miel pops. Mais des miel pops, c'est pas multi-usage. Ah, bah, j'ai tout pété. Super, on adore. Ah non. Alors, elle m'a offert... Pourquoi multi-usage? Alors, moi, je pensais que c'était un truc pour... je pensais qu'on était parti sur un truc de... Comment dire? De... Une serviette. Je sais pas pourquoi. Mais j'étais partie dans une serviette microfibre. Aucune idée. Donc, elle m'a mis des petits croutons comme ceci. Alors, multi-usage. Peut-être parce que tu peux les manger chaud ou froid ou je sais pas. Alors ça, c'est les petits croutons que tu trouves chez Action. C'est des croutons à l'ail, si je dis pas de conneries. Alors, check. Oh, j'ai pas primé ma petite loupe. Attendez, je vais chercher ma petite loupe. J'ai une petite loupe parce que j'ai fait comme Lady Blog. J'ai acheté une petite loupe parce qu'on ne voit rien, nous, les petites ménagères. Alors, pain grillé à l'ail au persil. Ok, donc c'est bien ce que je me disais. J'aime pas. J'aime pas ça, ça me fait peur. Alors je vais peut-être retester, je sais pas. Parce qu'il y en a énormément, donc si je reteste, autant vous dire que la moitié va à la poubelle. Mais je sais que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de choses. Mais moi, j'en raffole pas. Je sais pas pourquoi. Mais pourquoi Amsterdam? C'est un truc de Amsterdam, ça? C'est en Hollande? Hollande, c'est Amsterdam? Je n'en sais rien du tout. Ne me jetez pas des tomates pourries, parce que je suis nulle. Tibet. Alors, du noir et du vert. Alliance du noir et du vert. Tibet. Tibet ou Tibet, bah, Tibet, les Tibétains. Du thé. Alliance du noir et du vert. Alors, je pense que c'est un thé noir et un thé vert. Et vu le bruit, je pense que c'est ça. Hop là. Ah, je me suis fait mal. Eh, t'as fait ça super bien, ma cocotte. Alors moi, vous n'êtes pas prêts. Là, je lui ai dit que j'avais un colis pour elle. Mais on n'est pas du tout parti sur une ambiance... On n'est pas du tout parti sur une ambiance de Tibet et tout. Hein, pour, de voyage hein, dans le colis que je lui prépare. Vous verrez ça prochainement sur sa chaîne. Ok, donc c'est bien ce que je me disais. C'est du thé comme ceci. Alors, thé de moine, thé vert parfumé, palais d'été. J'entends beaucoup, beaucoup parler de cette... Ok, hop. Ouah ! J'en fous partout, mais pourquoi? Ça sent très très bon. Ça, c'est le genre de thé qu'il faut infuser dans un espèce de petite bouboule, tu sais. Ça va, j'ai des petites bouboules. Pourquoi j'ai un accent allemand? Je ne sais pas, ce n'est pas trop tibétain. Donc, thé vert parfumé, à quoi? Moine, j'en ai aucune idée.
Je sais pas, mais ça, c'est très, 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 très cool. Le prochain, tout petit. Pourquoi s'embêter? Mexique! Hey, it's Mexico! J'ai déjà été au Mexique. Pourquoi s'embêter? Au Mexique. Au Mexique. Qui dit Mexique dit Coca-Cola, ses notes, dit Coco Bongo, dit mon frère. Pourquoi s'embêter? Je pense un décapsuleur. C'est débile, mais vu qu'ils ont beaucoup de coca, je pense un décapsuleur. Ah non! Mais carrément, pourquoi un décapsuleur? Oh là là, je suis grave, hein, je suis pourri. Hein. C'est des guacamole, ça c'est très très bien. Guacamole. Mais j'adore ces petites box là, il y a de tout. Donc, guacamole. Eh, mais il va falloir que je déchire sur la prochaine. Hein. Donc, guacamole, mélange aux épices. Alors, ça, grosso modo, quand t'as tes avocats qui commencent un petit peu légèrement à faire la gueule, tu vois, eh ben, tu prends ton avocat, tu prends ta fourchette, tu mélanges tout ça. Enfin, tu mélanges bien dans un bol. Et puis, tu rajoutes ce petit sucre. Et puis, magie, t'as ton guacamole. Ensuite, il est lourd celui-là. Mon méga kiff du moment, tellement plus pratique. France. Marc en Bareuil, dans le Nord. Son kiff du moment. Alors, Marc en Bareuil, je ne connais pas du tout. Elle me dit que c'est dans le Nord. Petits emballages, je kiffe. C'est super lourd. Je pense que c'est un truc qu'on mange. Mais à part ça, je vois pas trop. Ah ! Ah ! Oui ! Parce que il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo dégustation avec mon frère. On avait acheté les carambars, ils ont fait des espèces de guimauves aux carambars, mais franchement, c'est écœurant de ouf. Et ils ont fait ces sucettes-là aux carambars qui sont super super bonnes, qui ont vraiment le goût de carambar. Franchement, elles sont délicieuses. Et mon frère, format spécial. Pourquoi format spécial? Ouais, ok. Et mon frère, il m'a tout pris, mes sucettes. Il les a toutes. Quand je l'appelle, je dis, elles sont les sucettes au carambar. Il me dit, bah, j'ai pris tout le poché. J'ai fait, mais t'abuses ou fait? C'est comment, en fait? Et donc, du coup, c'est trop bien. Bah, elle me les a offert. Donc, du coup, j'en ai. C'est trop cool. Et ça, franchement, c'est très, 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 très bon. Quelle est la salade la plus explosive? La roquette? J'avais pas compris. Qu'est-ce qu'un boomerang qui ne revient pas? Un bâton, c'est nul. Ah, la roquette, c'était bien, le bâton, c'était pourri. Oh, c'était nul, la yèche. J'ai énormément de colis. Apéro go, Espagne. Apéro go, Espagne. Et c'est comme ça. Je pense que c'est un mélange, tu sais, les petits... Comme les petits trucs chinois, là, les petits trucs, les petites bouchées, là, les petits trucs à la noisette, les petits trucs qui picassent, les petits trucs comme ça. Je pense que c'est ça. Ah, c'est du maïs. C'est ça, c'est du maïs... je savais même pas que c'était espagnol, ça. C'est du maïs frit et salé, comme ceci. Ça, c'est vrai que c'est très très bon à l'apéritif, franchement. T'en manges un, t'en manges deux, tu manges tout bouché. Au début, on grimace et ensuite, on ne s'en lasse plus. Japon. Alors, au début, on grimace. Alors, du coup, je pense que c'est un truc peut-être qui picasse un peu au gingembre ou alors au... Ouais, au gingembre. Ou au wasabi, on dit c'est lourd, tu vois, on dirait une bouteille, mais je sais pas du tout. Ah, je crois que c'est une sauce yakitori, non. Au début, on... ah, sauce à l'huître, ok, comme ceci. Alors ça me dit rien du tout, j'ai jamais goûté ça. Alors la sauce à l'huître, oh, pétard. mais franchement. C'est con, hein. Mais c'est juste trop bien, ça. Regardez-moi ça. Alors, la sauce aux huîtres accompagnera idéalement tous vos plats de légumes sautés et vos nouilles. Utilisez-la aussi pour faire mariner vos viandes rouges, volailles et poissons ou en sauce d'accompagnement en lui rajoutant simplement un filet d'huile d'olive. Je fais ça trop bien. Et là, on te donne la recette des crevettes à la sauce à huîtres. Ok. Mais écoutez, je vais tester ça. Je vais tester ça. Ça me fait peur, mais si tu dis qu'après on en raffole. Par contre, elle est vachement. Elle ne bouge pas. Elle est figée dans le temps, la sauce. Mais elle était dans ma voiture. Ça fait une semaine qu'elle est dans ma voiture. Autant te dire que c'est au frais. Hein. Donc, s'il y a des produits frais, ils n'ont pas bougé. Ok. Bah écoute, on va tester ça. Je pense que ça va être très très bon. Lady Blog cuisine beaucoup et a beaucoup de.
d'inspiration dans la cuisine, donc je lui fais très confiance. Je ne sais pas si tu connais, mais j'étais obligée. Amérique du Nord. Alors, Amérique du Nord, je suis complètement perdue. Mais j'étais obligée. Est-ce qu'on part que dans la bouffe? Ouais, il y a beaucoup de choses de bouffe, là. Peut-être qu'on va partir essentiellement dans le miam-miam. Là, je saurais pas. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Ah! Mais oui, Amérique du Nord. Alors moi, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique machin, je ne comprends pas du tout ça. Ah, je suis pourrie. Hein. Là, je vais briser le cœur de Lady Blog. C'est des pop-corn salés comme ceci. Alors, je t'avoue que je suis pas super fan des pop-corn salés. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas bougé. Vous avez 3 sachets dedans et c'est pas mal parce que, grosso modo, tu prends le sachet et tu le mets directement dans le micro-ondes et puis tu laisses 1 à 4 minutes. T'entends pop, 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 et ensuite t'as ton petit pop-corn. Donc ça c'est plutôt cool, mais le salé je suis pas super fan. Je préfère moi le sucré personnellement. Ensuite, homemade fait main, je pense que c'est ça. France Quimper, bah fait maison, France Quimper. Alors, est-ce que c'est encore un produit... c'est forcément un produit breton, du coup. Mais est-ce que c'est toi qui l'as fait? J'ai hâte de savoir ça. On dit... Ah, c'est de la confiture! Dis-moi que c'est de la confiture. Ah, oui! Parce que la dernière fois, elle m'avait offert de la confiture. C'était pas de la confiture. Elle m'avait défoncé la dernière fois. C'était de la compote de pomme. Ou de la confiture à la pomme. Je sais plus. Mais franchement, elle était trop, trop bonne. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop beau. J'aime trop. Alors, verveine du jardin. Mais du coup, c'est quoi? Son petit pot, il est trop mignon. Ça sent bon. Mais du coup, je fais quoi avec ça? Oh, faut que tu me dises. Je suis perplexe. J'ai un petit filet comme ça. Ça sent super bon. Alors, est-ce que c'est pour faire du thé? Je pense que... ça sent trop bon. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour faire une petite infusion à la verveine. C'est trop chou. Parce qu'elle m'a mis des petits... Ouais, c'est ça. Je mets... Oh, les petits sachets, ils sont trop mignons. C'est trop choupi. Je pense que je mets la verveine là-dedans. Et puis après, je fais infuser. Bah, c'est obligé que ce soit ça. C'est trop choupi. C'est trop chou. J'aime trop. Son petit pot, il est trop joli. Merci. J'aime trop. Quand tu es toute seule et que tu n'as plus vraiment le temps. Thaïlande. Quand je suis toute seule et que j'ai pu et pu. Quand tu es toute seule et pu. Genre je pue. Et pu. Et puis. Et pu. Et quoi? Je suis un peu perdue. Des pâtes. J'ai tatouillé. Eh, mais même moi j'ai déjà fait ça avec les enfants. Franchement je kiffe parce que tout le monde dit oui les pâtes là c'est bien. Alors c'est des pâtes lyophilisées. Oui, alors tu vois, j'ai acheté des pâtes comme ça, et franchement, c'est super bien quand t'as pas le temps, mais des fois, j'ai le temps, mais j'ai envie de manger des pâtes comme ça. Est-ce que vous êtes comme moi aussi? Mais alors, c'est la ma Tien Shan, des pâtes saveur poulet, elles ont l'air super grosses, et ça, mais tu sais quoi, je vais les bouffer tout à l'heure, parce que là, j'ai grave le temps, je suis toute seule à la maison, toute l'après-midi, et non, moi, c'est même pas quand j'ai pas le temps, hein. C'est, je mange ça parce que j'ai envie de manger ça. Et j'aime bien. Je vais en ouvrir un gros. Allez. Avec ma confiture et du beurre salé. France, Maine-et-Loire. Je pense que c'est du... Alors avec ta confiture... Ah bah c'était de la confiture de pomme alors. On est bien. Je pense que c'est des tartines. Parce qu'avec du beurre salé et des tartines. Ou alors c'est des tartines style tartines... style tartine briochée ou alors c'est des craquelins. Oui, c'était ça. Ah non, est-ce que c'est ça? Je pensais à la marque Pasquier, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit. Ah non. Ah oui, bah c'est ça. C'est ça, je suis trop forte. C'est exactement ça. C'est des ficelles de pain. Donc grosso modo, c'est entre... J'ai jamais goûté ça, mais grosso modo, c'est un... Alors, c'est pas le craquelin. Les petits pains, là, les... Je sais plus comment ça s'appelle, mais grosso modo, c'est entre la biscotte et la brioche. C'est... Voilà. C'est comme ça. Moi, j'ai hâte de tester ça parce que
Je kiffe et je ferai goûter aux enfants aussi parce que je pense qu'ils vont kiffer aussi. Par contre, c'est tout petit, hein. Là, on dirait que c'est gros sa maman, mais en fait, c'est tout petit. Oh, il y en a, ils n'ont pas survécu au voyage. C'est pas grave. Il y en a, il y a quelques survivants, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu au voyage, qui sont cassés, mais c'est pas grave. Mon Chouki, il est trop chelou parce que des fois, quand il casse son gâteau, il pleure, alors que dans le ventre, ce sera cassé aussi. La très bonne pâté. La très bonne pâte. Par contre, ça, on sait pas ce que c'est. Alors du coup, elle m'a pas mis. Elle m'a pas mis l'indice derrière. Je pense que c'est du... La très bonne pâte. Je pense que c'est... un pâté. Un pâté. Mais pas un pâté naf. Mais peut-être un pâté qu'elle a le fait. Non, me dis pas que tu fais des pâtés toi-même. Non, elle l'a pas fait elle-même. Sauf si elle sait faire aussi des étiquettes. Hein, si elle a une machine à faire des étiquettes. Mais ça, ça sent le Nutella. Le Nutella. Ah non, pas du tout. Pâte de curry tikka masala. Oh, ça c'est trop bon. Ok. Pour les. Alors, ok, c'est pour faire un poulet tikka. Et ça, grosso modo. Ok, tu rajoutes à... C'est pour te faire une petite sauce super sympathique. Ça me donne bien envie. Ça a l'air très très bon, ça. Ça, ça me tente bien. Je crois que j'en ai déjà goûté. Et franchement, rien que la truc comme ça, j'ai envie de tout bouffer. C'est trop cool. Et je trouve ça super cool qu'on arrive à s'envoyer des colis comme ça un peu épais parce que c'est super chiant avec les 10 blogs. Franchement, on s'apprécie de plus en plus. Enfin, pour ma part, je pense que c'est réciproque. Et c'est super relou parce qu'on habite super loin et du coup, c'est chiant. Donc, c'est cool qu'on puisse s'échanger des choses comme ça malgré qu'on soit pas à côté. Après une folle journée, Amérique du Sud. Ok, donc tout à l'heure, on était dans le nord, là, on est dans le sud. Me dis pas que tu m'as envoyé une bière après une folle journée. Donc, peut-être que là, c'est plus un truc un peu cocooning. Ou alors, une bière. Alors, soit c'est une boisson qui va te faire du bien, qui va te relaxer. Soit, je pense qu'on reste dans le côté miam miam. Donc, je pense que c'est plus soit une boisson pour te relaxer. Ah, c'est une bière. Mais oui. Ah, j'adore la bière avec la tête de mort. Je me souviens plus ce que c'est. Ah, mais t'es trop fort. Tu m'as vraiment envoyé une dégusta box. Une dégusta blog. Hop, j'aime beaucoup cette bière-là. La Cubanisto, c'est de la rhum. De la rhum. C'est la bière d'alcool pour la santé à consommer avec modération. C'est de la rhum au... C'est de la rhum. Oh, la fatigue. Je suis là depuis 3 jours, les gars. Je vous annonce tout de suite, c'est de la bière avec un petit peu de rhum dedans. Et franchement, c'est super bon. Vous avez 5,8 volume. Enfin, je sais pas comment on dit, mais volume d'alcool. Donc, autant vous dire que t'en bois une, t'es plutôt bien, tu vois. Après, tu vas te coucher tout de suite. Mais trop cool. Et franchement, on a eu de la chatte qu'elle ne se soit pas cassée. Ça, j'aime trop. J'ai beaucoup de choses, là. J'ai énormément de choses. Alors, le prochain, j'en ai plus beaucoup. Souvenir d'enfance, d'où je suis née. France-Auvergne. Souvenir d'enfance, je sais pas ce qu'ils font en Auvergne, j'en ai aucune idée. Alors déjà, les pays loin, c'est compliqué, les pays proches, c'est compliqué. Moi, même, même ma région, je sais même pas ce qu'ils font. On dirait des petits... des pastilles Vichy. Quand je tatouille comme ça, on dirait des pastilles Vichy. Mais est-ce que les pastilles Vichy, c'est en Auvergne? Vichy, c'est en Auvergne? J'en ai aucune idée. Hé, hey, mes bébés! Je suis trop forte. Ça, j'aime trop. Ça me rappelle tellement ma grand-mère. Ma grand-mère, elle avait une espèce de boîte. Déjà, elle avait un placard avec des bonbecs tout le temps. Il y avait beaucoup, beaucoup de carambars. Et dans la voiture, elle avait toujours une boîte de... Comment ça s'appelle? Les boîtes en métal, là. Les grosses boîtes en métal, comme ça. Les... Bah, c'était les... Les trucs que tu prends là qui te font mal au nez là. Et en fait dedans elle avait pas les trucs qui font mal au nez, elle avait des Vichy. Et bah j'aime beaucoup. C'est trop cool. Et ça quand tu un petit peu du bec, et bah ça fait beaucoup de bien. Et même en temps normal, ça fait beaucoup de bien. Je suis trop contente. Et franchement j'ai deviné. J'ai deviné à tâter. À tâton. Je suis trop forte. Alors, le prochain, ça change. France Douarnenez. 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 Je sais pas comment on dit. Ça change. Alors, vu la boîte, je pense à un pâté.
Je pense à... Hey, tu me donnes faim. Il est... Je sais pas à quelle heure il est. Oh, le bordel, là. Regardez-moi ça. Le bordel, là. Avec le chat qui est là. Le chat, il est complètement perdu. Il est complètement paumé, le pauvre chat. Hop. Je pense à du pâté. Mais peut-être à un pâté qui change. Donc peut-être un pâté qui change un peu de l'ordinaire. Ah non, c'est pas un pâté. C'est du thon. Le mariné au basilic. Bon, ça va être super bon. Un petit thon. On dirait tellement la dégusta blog. J'aime trop. Donc un petit thon mariné au basilic. Bon, ça c'est très très bien. Tu vois, limite tu te prends des petites pâtes comme ça. Les petites pâtes taille ou je sais pas quoi. Sans rajouter la petite sauce au poulet. Sinon ça fait un truc chelou. Bah du coup ça te fait ton petit repas, tu vois. Super léger par contre ton pâté. Hein. Tonton. Tonton. Et super léger. Bon, ça c'est trop cool. Très très bien. Ensuite on a... Mia, Mia, mi, mama, Mia, mama. La fille qui a la flemme de lire, tu sais, qui lit juste les lettres et qui se fait une idée. Mama Mia, Italie. Mama Mia, ma, mama, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, je suis excitée de fou. Je ne sais pas du tout. Ma, là, je vais te manger. Je t'ai fait un accent congolais avec un accent italien. Mamaka, des patas, des pesto, de la sauce de la pesto. Je pense que c'est la sauce de la pesto. Pas du tout. De la pâte à tartiner aux noisettes. Ma, j'aime trop quand je fais des swaps parce que je m'imagine la personne en train d'emballer les petits machins, les petits trucs, les petits bidules. Juste pour moi, je trouve ça trop chou. Je trouve trop chou et puis tu vois, je me rends... Ben, c'est des billes en fait, hein. C'est des billes, mais quand je fais mes vidéos, je vois vos commentaires. C'est clair et net que je vois vos commentaires et tout, je vois vos nombres de vues et tout, mais... Ça reste virtuel, tu vois. Et quand je reçois des cadeaux, des swaps, des échanges, des choses comme ça, eh ben je me dis, eh ben en fait non, c'est pas l'imagination, c'est pas juste un programme. Il y a vraiment des gens derrière moi qui me regardent. Et je trouve ça vraiment trop cool. Comme le dessin que j'ai de Chouki et Chouquette que j'ai mis dans mon couloir, bah je trouve ça trop cool. Bref, petit aparté. Donc, ma, c'est de la... du nocia lata. Les Italiens vont me défoncer. De la pâte à tartiner aux noisettes. Mais par contre, elle est très bizarre. Elle est très bizarre. Elle est toute blanche. Ok, bon, on va tester ça. Ça me fait peur. Maqué, le prochain. Ça dit, ça fait tellement de bien. Allemagne. Ah, nous sommes en Allemagne. Ça fait tellement du bien, ma. Qu'est-ce qu'il fait du bien en Allemagne? Nous avons les moyens de vous faire parler. Il n'y a pas de truc africain. Il n'y a pas. Ya, ça fait tellement du bien, les Allemands qui nous font du bien. Ah, bah si, ya, ya. Ça, c'est très, très bon. Des Wetschtel. Ça c'est trop bon, pareil ma grand-mère elle en avait blindé dans son armoire, elle voulait pas m'en donner la coquine. C'est des West, faut pas que je regarde, des Wester original, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ça c'est très très bon, c'est grosso modo un espèce de bon bec au caramel. Mais ya, c'est délicieux, c'est vraiment très très bon. C'est délicieux. La dernière fois je suis tombée sur une dame qui était du Nord, qui avait un accent du Nord mélangé avec un accent espagnol, mélangé avec un accent belge. C'était très bizarre. C'était très bizarre. Et bah ça c'est très très bon. Je kiffe de ouf. Bah de toute façon je kiffe presque tout. À part les petits pains à l'ail, j'aime tout. Le prochain c'est croquant, cropuant et léger. Cropuant, qu'est-ce que c'est cropuant? Et léger. La Belgique. Ah, la Belgique. Mon mari René. Mon mari René. Eh, la prochaine fois, je te fais un swap. On va se faire des espèces de swap. On est obligé de prendre des accents chelous. Mon mari René, c'est croquant. Belgique. Oh, impossible de deviner, c'est quoi ça? Oh, j'aurais tout explosé. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout simplement des Snickers based art. Qu'est-ce que c'est? Le français, s'il vous plaît? Ils ont pris cher, hein, dis donc. Ils ont pris cher, Mireille. Il était tout au fond aussi, hein. C'est des bretzels. C'est super bon. C'est comme des bretzels, en fait, mais comme ça. Et du coup, c'est vachement plus fin et c'est vachement plus bon. Alors, c'est trop bon. Pas vraiment tout parce que j'ai le ventre explosé.
Ah oui, il y a des bruits de bouche. Il y en a qui m'ont pas aimé les bruits de bouche. C'est trop bon. Tu trouves ça où? Parce que je kiffe. Malédie. Merci énormément pour cette dégusta blog. Franchement, j'ai kiffé de ouf et j'ai kiffé le fait que tu me fasses voyager, même si je suis désolée, je suis nulle en accent étranger et je suis nulle en géographie, nulle à Liège. En tout cas, j'ai kiffé de ouf cette vidéo. Je te remercie énormément. Je pense que les enfants te remercient aussi parce qu'il y a des choses qu'ils vont manger. Merci de ouf. Merci, Bok. C'est des bines, hein, c'est des bines, mais à chaque fois. Merci pour ce que t'es. Merci de me faire rire. Merci de ta gentillesse. Merci pour tout. Voilà, je vais t'envoyer un message tout de suite. Et je te remercie de fond du cœur. Je suis désolée de ne pas être à 100%, mais j'ai trop mal au ventre. Et je te fais des gros bisous. Et je te remercie du fond du cœur. Et plein de bisous. Plein de bisous Malédie. Et merci à vous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder cette vidéo-là qui est un des swaps que j'avais fait avec Lady. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et merci encore à toi. Et je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner au compte de Lady Blog. Et je vous dis, enfin au compte, à la chaîne YouTube de Lady Blog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.